Je vais vous présenter ma section de beaux livres pour la fin d'année et je commence par celui-ci, Cabanes insolites, l'art de vivre des nouveaux Robinson, que j'aime énormément. Alors ça peut être vraiment lu comme un livre d'architecture avec des cabanes complètement incroyables en fait. On renoue avec l'esprit d'ailleurs, l'isolement, la petite bulle. Donc c'est vraiment dans tous les pays, c'est des architectures très différentes, des endroits complètement atypiques. Voilà, dans lesquels on a envie de se réfugier. C'est un vrai voyage et il est absolument magnifique. Je continue dans l'esprit voyage avec ce livre-là sur En train, 30 itinéraires pour voyager autrement, qui sont des propositions en fait d'itinéraires entièrement en train. Donc c'est un guide assez rapide. Il faudra évidemment peut-être compléter votre voyage en prospectant davantage, mais ça vous donne un beau tour d'horizon. Et j'aime beaucoup les suggestions aussi des lectures qu'on peut faire au cours de ces voyages. Il propose en fait des musiques à écouter et également des livres à lire pour accompagner votre voyage en train. Voilà, moi ça me fait complètement rêver, j'espère que vous aussi. Et puis je continue avec la gastronomie, avec ce livre qui est peut-être un de mes préférés de la fin d'année, Provence, food trip ensoleillé en 100 recettes. Voilà, en plus il fait froid. Donc là, vous allez plonger au cœur de la Provence. On entendrait presque les cigales qui sortent du livre. Et en fait, on va à la rencontre d'artisans qui cultivent différents produits dans cette Provence. C'est un livre de photos, d'images, de recettes. C'est absolument sublime. Il n'y a plus qu'à les réaliser chez soi, mais rien que de voir les images. Et ça nous ouvre l'appétit. C'est superbe. Et vous avez vu comme l'objet est très très beau avec ce rabat, avec l'olivier. Et je termine avec Des souris et des hommes, la dernière œuvre de Rebecca d'Outremer, donc adaptation du roman de John Steinbeck, où on va retrouver donc nos célèbres ouvriers agricoles pendant la Grande Dépression, un roman sur les laissés pour compte. Elle a fait un travail graphique extraordinaire d'expression des visages, des détails sur des mains, parfois sur des passages. C'est vraiment une réussite, là aussi peut-être à faire découvrir pour des lycéens qui pourraient ne pas forcément se lancer tout de suite dans le roman, mais qui pourraient être attirés par l'adaptation graphique. C'est absolument sublime, voilà. Je voudrais vous parler d'un magnifique livre d'histoire, extrêmement original sous la forme, Infographie de la Rome antique. Donc vous imaginez un manuel hyper pointu sur la Rome antique, mais sauf que là c'est magnifiquement illustré, c'est présenté sous la forme d'infographie, c'est un régal à parcourir, et c'est totalement nouveau dans la façon de raconter l'histoire. Donc ça élargit considérablement le public, et ça vous rappellera peut-être un cadeau qui avait eu beaucoup de succès il y a 2 ans à Noël, l'infographie de la Seconde Guerre mondiale, donc qui est réédité au format cartonné, dans un magnifique coffret, où vous retrouverez là aussi des centaines d'informations hyper précises, hyper pointues, un vrai régal et magnifiquement présentées sous forme d'infographie. Donc un super cadeau pour tous les fans d'histoire.